là-bas. Ok. Allez! Excusez-moi, je regardais tweet d'Astérion The Good. Tiens, j'ai jamais savu pourquoi il s'est renommé. Oh, faudrait que je regarde sur internet. Vous regardez devant moi, affamé. Excusez-moi, le stream a planting the bomb. Ah, oui, c'est l'heure de savoir si le son marche bien. Oui, c'est bon. Le son marche bien. J'ai fait tomber une merde? Ah, oui. On reprend la bosse, ok. On a deux popos, Irden ne sert à rien. C'est là que je veux taper. C'est là que je... Il comprend pas où est-ce que je veux taper? Bah non, puisqu'il a pas d'aggro. Voilà, là je me fais martyriser, je sais pas où aller. Elle se prend l'Axis? Elle se prend pas l'Axis. Et là elle est invisible donc je peux rien faire. Là je peux rien faire. Là je peux rien faire. Là je peux rien faire. Je peux rien faire. Là je peux rien faire. Et là, je pouvais rien faire. Bonne ambiance! Si le jeu recrache, c'est chiant par contre. Alors, par contre, je t'ai mis un coup, salope. Ok, je lui ai déjà mis cher. Là, je suis bloqué dans un coin, je peux rien faire. Ok. Bah là, c'est la grosse ambiance. Menteuse, tu prends tes coups. Mais là, il qui... Zarm... Il a tué tous ses hommes pour atteindre le corps. Mais ils étaient là à la table. Ça s'est bien passé, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'était facile. T'es gonflé, ouais, c'est le noyé. En partie dévoré. Il a quelque chose dans la gorge. Une bourse remplie de pièces. Ok. Des florins Nil Gardien, de différentes provinces. Si c'est le meurtrier qui a fait ça, ça doit être une créature intelligente. Le corps a été découpé après la mort. Les coups étaient très puissants. Mais les os ont été tranchés, pas écrasés. La créature qui l'a tué avait de longues griffes, acérées comme une lame de sorceleur. Elle les a d'abord plongées dans le cœur de la victime. Ce n'est pas l'œuvre d'une Brooks. Ouais, mais c'est quoi une Brooks? C'est quoi qu'on vient de tuer? Victime. Les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux. Comment est-ce possible? Plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer, mais je ne connais aucun cas de membres coupés le faisant, ou de membres.
membres semblant vivants, après autant de temps. J'examinerai les tissus de près plus tard. Ça m'apprendra peut-être quelque chose. Ok. Et la brousse qu'on vient de tuer, du coup, c'est optionnel. Ouais. Et à qui appartient-elle? Pourquoi est-elle encore chaude? Par ailleurs, tant de questions. Que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncée dans la gorge? Et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux? Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Je dois me renseigner sur les autres victimes. Je vais m'enseigner à Palmarin à voir un mannequin de la duchesse. La duchesse. Alors, on va vite remonter à la surface. Non, on va vite faire une petite méditation d'une heure. Ou deux heures, oui. On va prendre l'inventaire et on va réparer notre petite armure. Et on va lui mettre un double wing. Je m'en fous de la teinture. Merci. Double queen. Ok. Même si je comprends pas trop l'intensité, hein. Enfin, j'ai jamais vu de réelle différence dans celle-ci. Nice. Donc on reprend nos points d'interrogation. On a trouvé cette petite quête sur le chemin, mais... On a... Ok, un point de TP, ça fait plaisir. Et on reprend. Parler au chevalier errant, ok. J'aimerais juste traverser ce petit ravin. Là, par là. Par là. Non, c'était un queen que je voulais parce que je crois que c'est des araignées. Ah non, c'est les plantes qui one shot. Oh, il y en a tellement. Wouah! Il y en a tellement? Attendez, attendez, parce que je sais même pas comment ça se combat. Le seul truc que je sais, c'est que je vais die. Ok. Ok, ça balance des trucs qui explosent. Je me suis dit pourquoi il y a autant d'ennemis. Je devrais détruire la zone pour m'en débarrasser. J'ai bombe illimitée de toute façon. Nice. Wouah, j'utilise 40 potions là, c'est quoi ça? On traverse l'eau pour aller atteindre ce point d'interrogation là, ce point d'interrogation là. Donc mettons un petit point là. Ça se traverse en 300 mètres là, ouais. C'est juste là. Un peu de nage n'a jamais fait de mal. Ok. J'ai l'impression de perdre encore de la vie. Non, non, j'en reprends. Oh, j'étais au moins 12. Bizarre, bon, je perds de la vie. Cet endroit est vraiment bizarre. Ouais, et c'est là où je fais ça. Qu'est-ce que c'est? Des barghouls. Ça fait mal, ce machin. Ok, salut toi! Tu me proposes pas une quête? Ah non. Il faut encore réparer une pièce d'arme, c'est chiant! Non, non, ça casse les couilles. Hop, 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 hop. J'ai l'impression que mes bottes sont meilleures. Non, celles-ci sont meilleures. Allez, un petit peu d'Irden, on en a jamais mis. Bah oui, on l'utilise jamais. Belle interrogation que je viens de me donner à moi-même là. Ok, petit point là-bas.
On ira rejoindre ce lot de quête, ce bateau, on ira faire ce point d'interrogation là. Ok. Un marais sans retour. Comme disait La Fontaine. Wouh! Ça, c'est mon queen qui fait le là-haut, donc c'est normal. Alors. J'aime pas quand ça tape des esquives parce que c'est scripté. Merci. Ok, là tu me proposes une quête. La veuve noire, c'est dans l'eau. C'est là, sur ce bout de caillou. Trouver le coffre dans l'épave engloutie. Ouais, tant que je suis là, en fait, j'irai peut-être là-bas. Ok. J'ai plus de poulet! Putain, j'ai plus de poulet. Il est là, l'épave engloutie. Ok. Ok. Oh le reste, je m'en fous, je préfère garder mon souffle. Nice! La pluie arrive, tiens. Retournons vers ce petit point d'interrogation qui, me demandais-je, est-ce le fort? Que dis-je? Est-ce une p... Oh non, c'est une péninsule. Est-ce le fort ou est-ce une entrée de grotte cachée? Parce que si c'est le fort, ça nous demande d'accomplir un sacré détour. Après, on va vite à la nage, hein. C'est pas un souci. On a le temps. Oh, il est yolo. Oh, il est... Ah ouais, c'est bien une entrée de grotte cachée. Trésor caché sous l'eau. Ah ouais, quand même. Oh, faut le voir ce trou. Ok, c'est pas du tout par là, on peut pas remonter. Ok, on a une clé magique. Ok, je crois que c'est un endroit plutôt buggé. J'ai plus de souffle pour sortir, là, c'est fini. Mais c'est... Bah c'est loose. Je sais pas, je comprenais pas par où fallait sortir. Je me suis perdu. Merde, j'ai le seum. Oh, faut que je reprenne les trajets dans l'eau. Oh, ça casse les couilles. J'ai pas compris. Alors, voilà, allez. Salut toi. On lit la lettre. On accepte la quête. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai une potion de respiration sous l'eau pourtant. Étonnamment même, j'ai envie de dire. Bon, reprenons. Donc, ici, on plonge. Ah, c'était un peu plus loin, toi, pour moi. Oh, mais il était déjà mort. Bon, et non, c'est bon, on a le souffle pour.
Ça, c'était par là. Ouah! Reprenons, reprenons avec un peu plus de délicatesse. On respire. On replonge. Ok. On a eu la veuve noire. Et on repart à la surface. C'est parfait. On file par là-bas. On peut même se faire une petite sauvegarde à l'entrée de l'eau. Bon, comme ça sera fait. Et puis, on y va. Donc c'était dans l'eau, il y avait une entrée de grotte par ici, c'est ça? Même si pour moi il va falloir quand même entrer dans cette petite tour. Ah, l'entrée de grotte est bien placée. Ok, on... Voilà, on n'est pas obligé de refaire une sauvegarde. Donc ouais, on a bien un couloir bien distinct. Droit, marqueur d'un trésor caché. Ok, et on peut filer par là-bas. Ouais, ça allait, ça allait, ça allait. On s'était juste perdu la première fois comme un nulos. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est au-dessus. Au-dessus de combien? Là? Ça a l'air d'être juste là en fait. L'art de l'évasion appliquée. Il me propose pas la quête? Quête. Salaud de boue, où est-ce que c'est? C'est un point d'interrogation qui est là-bas. J'ai un bateau là-bas, ok, ouais, ça passe. Ce fort me dit qu'il y aura sûrement des points d'interrogation aussi là-dedans, donc bon. Je pense qu'on va aller faire cette petite quête de l'art de l'évasion appliquée. Et ensuite, nous repartirons vers les affiches qu'on avait vues. Et on commencera quelques quêtes secondaires à la VOD d'après. Ça sera good pour moi. Pêcheur, pêcheur. Dunino. Allez, c'est parti. Les ruines englouties elfes. Eh ben c'est parfait. Petite sauvegarde juste ici au cas où. Ça a sauvegardé toutes les 2 minutes, vous me connaissez. Ouais, c'est pas une petite entrée de grotte, c'est une vraie entrée de grotte. J'y vois que dalle. Ouais, c'est un vrai trésor. Attendez, faut que je remonte à la surface, prendre un tout petit peu d'air. Ok. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien de rouge. Si, là. Oh, ouais. Bien rentable tout ça. Ok, c'est parfait. Oui, on a le temps de remonter, c'est pas un souci.
Transmuteur de mutagène de bleu en vert. Oh, ah, s'il y a ça pour faire de bleu en rouge. Non, de vert en rouge, j'en ai beaucoup de vert. Ok, c'est parfait. Bah, remonte! Merci. Ok, c'est parfait. Donc ce point d'interrogation attendra. Nous repartons par là-bas. Même maintenant que je suis sur le bateau, il n'y a pas de point de TP. Nous repartons par là-bas. Petit drift. Water drift, on dit. Water drift. On va accepter ce panneau d'affichage et voir si on a une petite quête dans le coin quand même, à force. À force, à force. On va pas faire que des points d'interrogation, après on n'aura plus rien à faire. Ouais, bon, ouais, un peu de trajet sans discuter, ça fait toujours plaisir. Mais nous sommes arrivés au arrivé. Attention, on fait du bateau à bateau. Bienvenue à Flot Vif. Ok. Eh ben, moi aussi. Salut, t'es marchand? Parler à ce marchand, s'il vous plaît. Merci, montre-moi. Pas besoin de ça, je te le rachète. Oh, putain, mais la thune que ça, ces marchands! J'ai pas le niveau, c'est 43. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Allez, ça me change un peu. Voyons voir ce qu'il nous demande. Contrat. Monstre de Tufo. Suivons cette quête. On a un vignoble par là-bas qui nous le demande. On apprend de TP. Regardons les points d'interrogation qui nous entourent. Et ben c'est juste là. Et on a découvert quelques points d'interrogation là-haut. Nous irons à celui-ci juste après. Je crois que ici c'est un camp de bandits assez connu. Aussi, quelques petits points d'interrogation sur la hauteur. Donc allons voir ce contrat. Contrat gris avec de fortes chances de bovins. Attendez, parce qu'il y a un point d'interrogation aussi par là. Regarde, il y a un point d'interrogation juste ici. Une entrée de grotte souterraine quelque part cachée dans le château? Et c'est pour ça qu'il veut que je descende en bas? Peut-être. Je t'écoute. Oui, qu'y a-t-il? Pourquoi convoque-t-on un sorceleur, selon vous? Pour connaître les dernières rumeurs à la cour? J'ai un problème. Ta gueule! Ah, c'est vous qui avez affiché l'annonce. Bon, crachez le morceau, de quoi s'agit-il? D'abord, cher sorceleur, il va falloir établir quelques règles. Vu nos positions sociales très éloignées, croyez bien que je n'apprécie guère. Oh, je vais lui en mettre une. Vous employez avec moi. J'attends de la déférence. Pour vous adresser à moi, dites messire, ou mieux encore, monsieur de Bourbeau. Je suis gentil. Monsieur de Bourbeau. L'accent se place sur la dernière syllabe. Bourbeau. Bourbeau. Ouais. Là, j'ai plutôt envie de vous mettre les points sur les i, monsieur.
Alors dites-moi de quoi il s'agit avant que je parte. Les Nordiens de ces manières. Fort bien. Mais je veux juste savoir. Quelque chose a infesté mon vignoble. Je voulais juste savoir la bête à tuer. Je vais préparer mon huile contre les quelque chose alors. Plaît-il, mon cher. Il me faut plus d'informations. Où a-t-on vu ce quelque chose? Y a-t-il des témoins? Des corps à examiner? C'est là que le bât blesse. Personne n'a vu la bête. Sa présence ne se manifeste pas. Dégratte-moi et décrire quand ça fait, s'il me reste des corps à examiner, des hommes disparaissent sans laisser de traces. Pas plus qu'il ne reste de corps à examiner. Des hommes disparaissent sans laisser de traces, c'est tout. Ok. Disparu, si je puis me permettre. Dernièrement, c'était un ouvrier, me semble-t-il. Malgré l'énorme différence de statut entre vous, monsieur, vous ne sauriez pas le nom de cet ouvrier, par hasard. Non, il faudra demander à mon épouse. Elle est plus proche des domestiques. Elle rend visite à sa mère pour le moment, mais elle devrait revenir sous peu. Ces bruits dont vous parlez, d'où viennent-ils ? Eh bien, de partout. Néanmoins, ils sont plus audibles dans la cave à vin. Le monstre doit donc vivre sous terre. Quand les bruits sont-ils les plus forts ? La nuit, comme c'était le cas il y a des années, quand les bâtiments ont tremblé. Je veux juste savoir c'est quoi, parce que là, je pose des questions. Je m'en occupe. Bien, très bien. Je vais pas parler de ma récompense, je m'en fous. Clé de la cave de Tufo, allez c'est parti, c'est pour ça qu'on a le point d'interrogation. Va chercher ça, vite ça. C'est calme. Ok. Le monstre doit être bien nocturne. Je vais attendre le crépuscule. Faisons une petite pause jusqu'à 23h. Ok. On a fait tomber de l'étagère. Ouais, j'entends déjà des bruits par là-bas. Ce que j'en sais, il n'enlève pas d'ouvrier. Mais qu'est-ce que... Par là-bas, il y a un truc. Ouais, c'est juste là. Un tunnel. C'est mieux. Oula, oula. Je sais même pas c'est quoi. Les ouvriers Kikimors, les Kikim. Pardon. Ça m'a... Oui, moi ça me fait rire. Je veux juste récolter ça, merci. Ce tunnel n'en finit pas. Quoi, c'est des trucs qui creusent? Et ils creusent pile à ma taille, c'est gentil ça. J'arrive pas à les toucher. Je vois que dalle. On va se reprendre un petit queen et manger une merde parce que... Je devrais pouvoir forcer le passage. Avec un petit hard. Merde, il s'enfuit. Lolilol. Je vois que dalle. Parfait, ça s'est bien passé. Ça s'est pas si bien passé. Pourquoi j'ai que deux popo? Donnez au moins 4 ou 5 quoi. De plus en plus intéressant. Des œufs de Kikimor cassés. Quelque chose s'en nourrit. Ce n'est pas une Kikimor qui a creusé ça. C'est une... Je veux juste ma torche. Bien plus grande. Merci. De griffes puissantes. Des œufs de Kikimor cassés. Par là? Ah, cassons-nous. Fouiller les tunnels souterrains, genre, c'est pas ce que je fais depuis tout à l'heure. Et merde. Les œufs pourraient éclore à tout moment. Ah, détruisez tous les œufs. Igni, ça passe? Ouais, ça a l'air de passer, Igni. Ce n'est pas une Kikimor qui a creusé ça.
créatures bien plus grandes, pourvues de griffes puissantes. Ça brûle pas ça? Ah non mais c'est déjà éclos ça. Et ici là c'est pas éclos. Un bruit d'eau. Ça vient bien de la rivière souterraine. Le monstre que je cherche vit sous terre. Creuse des galeries, se nourrit de qui? Creuse des galeries, bah c'est une cri-cri mort géante. Très grand. Je n'apprendrai rien d'autre ici. Il est temps de remonter. De remonter? Moi qui voulais descendre. Bon bah remontons. Il doit y avoir une entrée de grotte plus loin en fait. Là il y avait juste des kikimors. Mais laisse-moi monter. Ok. Je pensais qu'il voulait pas. Il a l'air d'avoir de la suite par là, hein. Je sais pas pourquoi il veut que je remonte, sachant que je pourrais avoir plus d'infos là-bas. Ok. Bon bah remontons quand même. Faisons notre rapport. Sacre bleu. J'exige une explication. Je vous paye pour tuer un monstre. Oh, je vais le taper, je vais le taper, je vais le taper. Votre propriété s'effondre à cause des tunnels en dessous. Vous devriez combler ça rapidement ou c'est tout le bâtiment qui va tomber. Bah logique quoi. Sapristi, comment sont-ils apparus là? Ils ont été creusés par une créature imposante. J'ai aussi tué quelques kikimors et détruit leurs œufs. Cadeau de la maison, ça vous coûtera moins cher. Des œufs de kikimors? Oui, bien sûr. Beau travail, qui mérite rétribution. Madame de Bourbeau, je présume? Je crois que vous savez des choses sur l'ouvrier qui a disparu. Jean-Luc? Oui. Jean-Luc. Nous étions partis voir ce qui pouvait dévorer les plans de l'année. Et puis nous avons entendu des bruits étranges. Jean-Luc est allé voir et il n'est jamais... Oh. Pourquoi tu pars avec Jean-Jean? Tu pars toute seule avec Jean-Jean alors que t'as un mec. Peut-être qu'ils sont juste potes. Dans les champs, au nord d'ici, près du bois. Il y a de nouveaux plans là-bas? Il me semble pourtant qu'on a tout planté sur le coteau sud. Presque tout, mon chéri. Il en restait quelques-uns. J'ai demandé qu'on les plante au nord, près du bosquet. Elle me cache des choses, cette madame. Madame, vous... Je sais rien, je voulais juste tuer des kikimors. Oh, on va refaire des points d'interrogation. Très bien bâti. Des cheveux noirs de jet. Chéri, concentre-toi. Tous les paysans sont bien bâtis. Ils travaillent au champ toute la journée. Il veut parler de cicatrices, de taches de naissance, ce genre de choses. Je ne vois pas dans ce cas, mais... Il portait un pendentif autour du cou. Ouais, elle te trompe avec Jean-Luc. Un bijou en argent. Jean-Jean. Sur un ouvrier. C'était un cadeau, je crois. Enfin, c'est ce qu'il disait. Ça devrait me permettre d'avancer. Alors, pourquoi traînez-vous encore là, au travail? Je vais le tuer. Premier degré, je vais le tuer. Rendez-vous au Jean-Luc qui a été vu pour la dernière fois. Pourquoi il fait nuit? J'aime pas quand il fait nuit. Ah, j'ai 40 000 balles, je suis là. Leurs pattes, les serpents. Et tous les gens qui travaillent au champ, au vignoble plutôt. C'est bien vallonné, ça fait plaisir à voir ça. Jean-Jean. Le pain est rassis. Il est là depuis un moment. Petite corbeille de fruits avec deux coupes, madame. Hein. On va poser une couverture ici. Bah ouais. Ah Jean-Jean. Des traces de pain. Deux séries. Ah, ça se sépare. Ces chemins ici, et l'homme a continué. Les empreintes conduisent ici. Ok. Ok, ça continue par là. Du sang. Ouais, qu'est-ce que c'est? Des traces de griffes. Elles doivent être droites et émoussées. Idéal pour creuser. Des arbres à terre.
Comme si quelque chose leur était passé dessus. Un chelmar, donc. Ce sont les seuls à creuser des... Attendez, continuons parce que... Des empreintes larges et profondes. Là, 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 là. La piste mène à cette grotte. Je me demande ce qui a attiré les scolopendres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait si mal pour rien, ce machin. Allez, je t'ai eu. J'ai l'impression de manger mon morceau de viande toutes les deux minutes. Putain! Ok. Des traces de griffes. Elles doivent être droites et émoussées. Idéal pour creuser. Allez, ok. Oui, bon, il y a un truc dans les grottes, quoi. Encore du champi. De la teinture. Et suivons par ici. Trace de griffes et d'autres. Chelmar n'est pas loin. Un chelmar. Continuons par là. Très labyrinthique tout ça. Ok, il doit être par là. Être... Une barre de vie, c'est puissant. Il traîne ses proies jusqu'ici. Certaines sont relativement récentes. Il va falloir préparer un appât. J'ai besoin du sang d'une victime récente et de champignons poussant dans le coin. Les champignons, je les ai. Ok, j'ai Jean-Luc. Alchimie. Objet de quête. Appât à Chelmar. J'ai que 110 champignons. À un endroit exposé à un courant d'air pour que l'odeur se diffuse dans la grotte. Un endroit exposé à un courant d'air. Non, ça sert à rien de le faire ici. Ah, pour moi, là, c'est pas mal, tu vois. Waouh, quelle puanteur. J'en ai l'infini, ok. Faut les mettre dans tous les endroits. Ok. 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 Bac sorti d'un diamant. Le chelmar ne devrait pas tarder à se montrer. Un temps que je peux looter, moi, vous me connaissez. Avec mon arbalète de l'ours. Allô? Pas du tout à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est que ce machin? J'aurais dû négocier ma paye. Je sais même pas comment ça se combat. Ah! Mais je... Alors, allez voir.
Ok. C'est pas mal, j'ai eu un bon coup là. Ouh. Ouh. Ok. J'ai voulu faire mon esquive du futur. Pour l'instant, ça, je m'en sors bien. Il est mid-life. Ouais, moi aussi, elle me plaît, mon épée en argent. Phase 2, pop des ads. Voilà, voilà. Faut pas s'énerver comme ça. Aïe. Ok. Brice Cassou. Il est tuable, hein, easy, mais... Il est pas très agressif, mais il a une carapace de mort. Faut que je le spam. Il est mort. Allez, c'est parti. Facile. Easy les moulinots, comme on dit. Ok, nice. Retournez voir tout le monde. Bah, cassons-nous d'ici, quoi. Alors, un pinchalmar va être remis par une petite torche. S'il te plaît. Une sauvegarde, genre maintenant. Genre maintenant. Pour la sécurité. Alors, je voulais pas descendre, pas spécialement. Ok. Tu. Pourquoi t'as sorti ton épée, y'a personne ? Arrange ton épée. Eh oui, mais il y avait personne. Allez, on se casse. Oh, je vais bien avouer que sa femme le trompe, hein. Oh, que ça lui fera du bien. Elle calmera. Je dirais, tu vois, ta femme, elle t'aime pas, t'es méchant. T'as trompé un ouvrier plutôt bien bâti. Ça veut tout rien dire, mais... Satané sorceleur, je viens de sauver la vie à toi et ta famille tout entière. Mais satané sorceleur quand même. Hein? Comme on dit. C'est dans les petits plats qu'on fait les plus gros pots. Oh, c'est en dessous qu'ils étaient. Monsieur de Bourbourg, on peut parler? J'espère que vous apportez de bonnes nouvelles. J'écoute. Monstre mort. J'ai éliminé le monstre qui vous causait des soucis. C'était un chelmar. Un chelmar? Qu'est-ce donc? Une sorte de croisement entre une taupe et une chenille. Mais la taille d'une grange. Mais de la taille d'une grange. Eh bien, maître sorceleur, vous m'avez fait une piètre première impression, mais vous avez prouvé votre valeur. Prouvez votre valeur. Voici votre récompense. Je peux pas lui dire que sa femme le trompe. Quant à Jean-Luc, je crains qu'il ne soit mort. Désolé. Qui? Ah, lui. Peu importe. Je trouverai vite quelqu'un pour le remplacer. Mais bien sûr. Après tout,
Ce n'est qu'un paysan, pas un monsieur de blablabla. Au revoir. Je peux pas lui dire que sa femme me trompe ? J'ai envie d'aller voir sa femme. Elle est où sa femme ? Elle est où, madame de machin, là ? Là. Noble, noble, c'est pas vous. Je l'ai à peine touché, elle a crié garde. Non, monsieur. Abusé, par contre. Oh, on a passé le 42, tiens. Donc ce petit point d'interrogation n'a rien à voir avec tout ce qu'on a découvert. Si, c'est un truc... Attends, il a fermé la grotte. Genre, c'est mort ? Je sais pas. Bon. Et ben je sais pas. Je sais pas comment atteindre ce point d'interrogation. J'ai peur que ce soit loose parce que je ne suis pas descendu plus loin parce qu'on m'a demandé de remonter. Et que du coup je ne peux plus atteindre ce point d'interrogation de toute ma vie. Ou que c'était dans l'autre grotte Chenmar. Et il est en train de réparer cet enculé. Ah, bonne question. Prenons patience. Peut-être qu'une quête nous avertira de passer par là un jour. La suite, c'est par là, avec un petit truc à accepter. Et nous partons en pause juste après. Bah c'est où ? La carrière d'Ardeizo, belle carrière. Ok, ouais, ça creuse, hein, mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oula, plus trop une carrière, là. T'as un panda ? Ah non, c'est une vache. Il s'est passé premier degré, il s'est passé quoi ici ? Des petits points d'interrogation derrière nous. Et cette carrière qui peut nous mener. Quand... C'est tout, il n'y a rien là-dedans. Ma curiosité me joue des tours. Juste, il y a eu que des morts, et du coup, il y a des algoules et des ghouls. Bon. Mutagène, ça fait plaisir, ça c'est une belle algoule. Et bah, mesdames et messieurs, on va marquer une petite pause de 5 minutes. Allez, à tout de suite.